Salut à tous, c'est Evil Angela et je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau épisode dans mon gameplay sur Uncharted 4 de Thief End. Aujourd'hui, nous nous embarquons dans un chapitre apaisant. Boulot en Malaisie, où Nathan se lance dans une plongée paisible à la recherche d'une marchandise. Préparez-vous à explorer les eaux sereines de la Malaisie alors que je vous montre avec vous les trésors que nous nous découvrirons lors de cette aventure tranquille. Bon visionnage! Hé, hey, d'après ma montre, il te reste un quart d'heure de bouteille, tu veux remonter? Non, ça va aller. Quelque chose là. Qu'est-ce que c'est? Pas de rouille, la bonne couleur, elle s'est peut-être déchirée en heurtant les rochers. Hé, hey, je comprends rien. Désolé.
On dirait un morceau de notre épave. Elle doit pas être bien loin. Tu m'intéresses là, Drake. Tu m'intéresses. Ah, le voilà enfin. Je l'ai trouvé. Super. De quoi elle a l'air ? Elle a souffert, mais elle est entière. Qu'est-ce qu'on a là ? C'est bon, je vois l'intérieur. J'ai l'impression que la plupart des caisses sont là. Tu peux me donner le compte exact ? Ouais, il va falloir que j'aille à l'intérieur pour ça. Attends. Bon, c'est parti. Voilà. Salut les petits gars. C'est bon, je suis dedans. Ah, on dirait qu'une grande partie est encore attachée. Alors, on en a une, deux, trois, quatre. Bon, si j'ai bien compté, il manque deux caisses. Je vais aller voir si je les trouve. Attends, tu crois pas que tu devrais d'abord remonter pour te ravitailler ? Je suis sûr que la caisse est tout près d'ici. J'en ai trouvé une. La caisse est coincée sous la remorque. Voilà ce qu'on va faire. Tu ranges l'autre. Et après, on te soulèvera la remorque. Ah, tu vois, c'est pour ça que tu touches les grosses primes. Ouais. J'ai trouvé l'autre caisse. Une de trouvée, plus qu'une. Mets-la dans la remorque, on arrive sur ta position. Ça marche, à tout de suite. Voilà, une caisse de sécurisée. Pile poil. On est juste en dessous de toi. On descend les élingues. Voilà, ça descend. Ok, tout est en place. Accroche la remorque. On va la soulever un peu pour toi. Ok, j'ai le câble. Je vais essayer de l'enrouler autour d'un des essieux. Ça devrait marcher. Ouais. Voilà pour le premier. D'accord, garde un œil sur ton oxygène. Ouais, c'est bon. Voilà pour le deuxième. La remorque est attachée, à toi de jouer. Ok, écarte-toi, on va soulever. C'est quand vous voulez. Et on la remonte. Ok, ça te suffit ? Ouais, parfait. Ne lâchez pas sur moi. Je te promets rien.
caisse est bon. J'ai l'autre caisse. Maintenant, je vais l'attacher avec les autres. Allez, allez. Et voilà. Oh oh. Voilà, tout est là et prêt à être embarqué. Et il me reste encore 5 bonnes minutes d'oxygène. Bon sang. Alors dans ce cas, tu devrais peut-être rester en bas, voir si tu peux pas trouver d'autres trésors. Non, ça va aller. On te remonte ? Oui, pourquoi pas. Reviens-moi une fois sur les élingues. C'est bon, je suis en position. Allez, sors-moi de là. Ok, ça roule. C'est parti ! Mieux maintenant que je suis sorti de la rivière. J'ai tué le poisson pendant une semaine. Ok, on vient te chercher un peu de patience. Je suis patiente. Ça va les gars ? Ça fait plaisir de te revoir. Ouais, ça me fait plaisir aussi. Vas-y, je le rattrape. Ok, tiens. Super. Dis donc, elle est légère cette bouteille. Eh, hey, avoue que je te facilite la tâche, là. Salut, vieux. Drake, je t'avoue que c'était pas la plongée la plus reposante à laquelle j'ai assisté. Attends, c'est un compliment ? Parce que là, j'en peux plus. Non, tu sais ce qui est impressionnant ? Ton odeur. Je sais pas trop, moi je l'aime bien. Ça me fait penser à ta mère. C'est pas cool, mec. Comment ça va là-dessous ? Je vais lui dire que t'as dit ça. Encore un instant. Là. Salut, vieux. Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce qu'on a tout ? Il manque rien du tout. On passe pour des guignols à côté. Sans vous, j'aurais rien pu faire. Là, on peut y aller. Ok, on lève. C'est fait. Seulement, ils passaient tout ça en numérique. Super de moi tout le temps. Attends, mais ça va pas. Laisse-moi lire ça. On en reparlera plus tard. Mon héros. Allez, voyons ce que t'as rapporté. Si tu laissais la main à quelqu'un d'autre la prochaine fois, t'as droit à une pause. Ça ira, merci. Je préfère plonger plutôt que de rester coincé derrière un bureau. Eh ben écoute, quoi qu'il en soit, le prochain plongeon sera pas pour tout de suite. Comment ça ? Et le boulot de jeudi, alors ? Bah arrête, tu rigoles. Une meilleure offre. Non, mais c'est pas vrai. Eh, la concurrence est rude. Et si on regardait ça de plus près, maintenant ? À toi l'honneur. Ouais, bien sûr. Merci. Waouh ! Regarde-moi ça !
On a trouvé du cuivre. Bah, tu serais surpris de savoir combien ça peut rapporter. Les clients paient une fortune pour un lot comme celui-là. Tu veux pas plutôt le faire fondre et fabriquer quelques pièces? Allez, viens, on va fêter ça. Tu fais la première tournée. Faire la tournée des bars avec vous? Non. À moins qu'il y ait une prime de risque. Ah, si ça t'embête pas trop, je préfère aller m'occuper de la paperasse. Et rentrer direct me coucher après. La prochaine fois? Si tu veux, c'est toi qui vois. Hé, hey, t'as fait du bon travail. Merci. Nate, attends. Hey, qu'est-ce que tu fais là? J'ai un cadeau pour toi. Un cadeau? Qu'est-ce que c'est? J'ai de nouvelles infos de mon contact sur l'épave au large des côtes malaises. Oh non. Ah, et le bateau est intact. Ouais. La marchandise nous tend les bras. T'es pas du genre à lâcher le morceau, toi. Attends. On a reçu tout l'argent pour acheter l'équipement, on a tout ce qu'il faut. Sauf, bien sûr, le meilleur de mes gars. Le seul gars en qui j'ai confiance pour ce job, le seul. Et lui se dégonfle. Je te signale que je me suis jamais engagé. Et puis ton fameux contact, là, il a les autorisations? Non, il a pas les autorisations, mais on s'en fout complètement de la paperasse. Bah tiens. Mais Nate, c'est ce qui joue en notre faveur. S'il y a pas d'autorisation, il y a pas de concurrence. Le bateau est à nous. S'il y a pas d'autorisation, moi je viens pas. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode relaxant de notre aventure en Malaisie dans Uncharted 4, The Chief End. J'espère que vous avez apprécié de suivre Nathan Drake dans cette plongée paisible à la recherche d'une marchandise et de découvrir les trésors à trouver. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez voir la suite de cette série, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne. Votre soutien compte énormément et me motive à continuer à produire du contenu de qualité. N'hésitez pas à partager vos impressions et vos théories dans les commentaires, j'adore lire vos réactions. Je vous remercie sincèrement pour votre soutien et votre fidélité. Restez à l'affût pour le prochain épisode où nous poursuivons cette aventure palpitante dans Uncharted 4, The Chief End. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup, bye bye.